Est-ce que vous auriez pu croire que vous alliez vous rendre à 103 ans? Jamais de la vie. Une surprise attendait Jeannette Rivière au vide-grenier de Caplan, où elle est habituée. Sa famille et ses amis l'attendaient pour fêter ses 103 ans d'une vie bien remplie et bien entourée. Là, me voilà ici, rassemblée avec tout ce beau monde-là. Plein d'amour, je sens l'amour qui flotte partout. C'est merveilleux. Au cours des 100 dernières années, Mme Rivière a accompli beaucoup de choses. Elle s'est toujours engagée auprès de sa communauté, que ce soit comme enseignante ou comme artiste. Selon elle, il n'y a pas de secret pour vivre jusqu'à plus de 100 ans, mais la foi y est quand même pour quelque chose. Il faut être positif, puis jamais être inquiet pour le lendemain, jamais. Mon père me disait toujours, lui, quand il y avait quelque chose, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis j'ai dit ça aux personnes, puis ça marche. Parmi les nombreuses connaissances qui étaient présentes, les éloges fusent à son égard. Ça a été une enseignante d'exception qui avait le cœur ouvert pour partager et rendre accessibles les savoirs à tous les élèves. Je dirais que c'est une grande exploratrice de la vie. Elle sait naviguer à travers toutes les étapes de la vie, mais elle n'a gardé que le meilleur. On ne pouvait pas passer au côté de ça. Elle vient ici, elle nous appelle ses amis, mais si elle saurait à quel point on l'aime comme amie, là... À 103 ans, Jeannette Rivière a vu évoluer le monde. Elle a une perspective sur la vie qui mérite d'être entendue. J'écoute souvent, tu sais, ce qui se passe à tous les jours, un peu partout dans le monde, mais je me dis que ça va changer. Ça va changer. Puis peut-être pour le mieux, parce qu'à un moment donné, le mal va s'en aller, là, puis le bien va prendre la place. Chose certaine, c'est le positivisme de Mme Rivière qui prolonge la vie de tous ceux qui l'entourent. Félix Côté, CHU TVA, à Caplan.